Donc nous sommes là aujourd'hui, on accueille une mission de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, qui est représenté ici à Tamba par son expérience, M. Baraka. J'espère que quand ils vont prendre, l'activité va démarrer, vous allez comprendre, n'est-ce pas, le contenu, n'est-ce pas, de cette campagne. Nous avons une théorie pour l'activité. L'activité, nous avons prévoir pour le Kolda et Kérougou. Donc, comme nous sommes déjà dans la région de Tamba, nous allons profiter pour faire une campagne favorite au niveau du CCA de Tamba. Donc, puisque nous avons un réseau de pères éducateurs qui est dense et à la création des clubs de jeunes filles qui est en fait une opportunité pour nous aussi de renforcer la communication et de développer la campagne au niveau de cette région. Et moi, je veux que ce qu'on va faire ici, que vous le reteniez, on ne va pas s'asseoir jusqu'à la fin de l'activité. C'est révolu, écoutez-moi, c'est révolu de s'asseoir et de faire des activités. Hamgen Kuto, Daïsétal, c'est le plus souvent Daïsétal, il n'est pas acteur de ce qui se passe. Est-ce qu'on se comprend? Et moi, je veux que vous soyez des acteurs de ce qui va se passer ici. On est d'accord? Alors, si on s'assoit, on ne va pas pouvoir le faire. Mais si on reste debout, on va pouvoir le faire. Écoutez le son et j'ai envie que vous bougiez avec le son. Lui, d'office, il a son t-shirt. L'inga khamne mom la ni waktane tey, mom moy les mariages précoces. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ou les mariages des enfants. Qui peut venir ici me définir c'est quoi mariage des enfants? Quel moment la ni définir? Bien. Bien. Tu veux venir? Quel moment la ni? Toi, bien. Le mariage précoce veut dire se marier en étant jeune, à l'âge très bas. À l'âge très bas? Oui. Combien par exemple? À l'âge de 12 ans à 15 ans. 12 ans en 15 ans? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Clap, 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 clap. Communique. Bien. Est-ce qu'on peut nous dire Tiyan communauté, Tiyan ethnie par exemple? Non, pas monsieur, Joe. Oui, bien. On a ça dans les communautés de Paul. On a ça? Dans les communautés de Paul. Parle dans le micro, oui? On a ça dans les communautés de Paul. On a ça dans les communautés de Paul. Elle dit qu'on a ça dans les communautés de Paul. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et les Sarakoulés aussi. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. C'est pas normal? Oui, viens me dire pourquoi c'est pas normal. Ceci n'est pas normal, nous devons dire. Vous connaissez PBS? Oui. Ceci n'est pas normal, nous devons dire. Ceci n'est pas normal. Non, on rap, on rap. Ceci n'est pas normal, nous devons dire. Ceci n'est pas normal. Donnez-la le tempo. Allez, le tempo pour les autres. Ceci n'est pas normal, nous devons dire. Ceci n'est pas normal, le peuple de Lyon. Ceci n'est pas normal, le peuple de Lyon. Est-ce qu'on peut le dire tous? Oui. Allez. Ceci n'est pas normal, le peuple de Lyon. Ceci n'est pas normal, le peuple de Lyon. Ceci n'est pas normal, le peuple de Lyon. Oui, maintenant viens. Viens me dire pourquoi c'est pas normal, pourquoi le peuple de Lyon. Parce que si tu maries une jeune fille à l'âge de 12 ans, elle peut être tombée enceinte et en accouchant, elle peut mourir.
Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Si on marie et ça devient carrément une grossesse précoce, vraiment précoce, et elle peut perdre la vie en donnant la vie. Est-ce que c'est pas un drame ça? C'est tragique. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres conséquences que vous connaissez? Du mariage précoce. Il y a une conséquence encore. Quelqu'un d'autre? Oui, viens. Viens me dire, tu connais d'autres conséquences? Bonnes conséquences? S'abstenir. Oui? S'abstenir. I don't know. Vous l'avez compris? On n'a pas compris. T'as pas encore de t-shirt. Allez, réfléchis encore. Oui. Oui. La croissance de l'enfant. Oui. L'enfant peut être prématuré. L'enfant qui va venir au monde avec une maman qui n'est pas encore prête, mm-hmm. elle dit que l'enfant peut être prématuré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui, Joe. Oui. Oui. Néna bu ëmbé su amé doom mën na am fièvre bu ñuy wax waxat ko fistule. Est-ce que xam ngeen fièvre bobu? Néna su ëmbé su amé doom mën na am fièvre bu ñuy wax fistule. Fistule obstétricale, fièvre bu doy waar. Yagul dara Dakar, on avait fait une journée ci lool. Xam ngeen lan moy fistule? Kan mo xam fi lan moy fistule? Oui. Il va nous dire la moitié de ce que c'est votre beau petit. Qui règne. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais pas si vous avez la moitié de ce que c'est. Oui. Nous avons dit que nous allons expliquer la moitié de ce que. Écoutez bien, c'est très important. C'est votre beau petit. Parce que c'est un peu de chute. Est-ce que dengel bu bax li mo wax? Oui. Elles sont? Après elles se sentent mauvais parce qu'elles ne peuvent pas tenir ses. C'est celle et ses jurés. Est-ce que dengel bu bax manam du meuna té ginaaw kërëm? Du meuna té également sawi. Ça vient. Imaginez-le un peu. Nous, par exemple, qu'on soit dans cette situation-là. La femme peut perdre beaucoup de sang. Elle dit que la femme peut perdre beaucoup de sang. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Elle peut perdre beaucoup de sang, soit en accouchant, voilà même au cours de premier rapport sexuel. Elle peut perdre beaucoup de sang. Et quand on perd beaucoup de sang, qu'est-ce qu'il y a? Quand on perd beaucoup de sang, on a une hémorragie.